Bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on est toujours sur Transport Fever 2, toujours en Hollande. Et aujourd'hui, je me tâtais. J'hésitais entre quand même un peu modifier la gare d'Amsterdam et opter pour plutôt essayer de l'alimenter un peu plus en matière première. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire du carburant pour Amsterdam. Carburant qui viendra d'ici. Ce qui veut dire que je dois plus l'alimenter. Alors, quand on regarde ici, par contre, ça a l'air d'aller. Je veux dire, c'est pas foufou, mais ça passe. Le Rotterdam qui est alimenté en carbu, c'est bien ça. Donc, on va faire un train qui va du puits de pétrole jusqu'ici, jusqu'à la raffinerie, la centrale de La Haye. Et de là, on partira sur Amsterdam. Première chose que je vais faire, c'est modifier ceci. Ce qu'on va commencer par faire, c'est ça. Et puis, mettre ça ici. Donc à faire, je vais en profiter, je vais quand même essayer d'allonger un chouïa. Voilà. Excusez-moi. J'ai le nez qui s'étouille un peu. Alors, je peux peut-être aussi faire un qui arrive plus par ici. Voilà, pour déposer. Bien. Au boulot. Donc il me faut ceci. On va la poser là. Il me faut celui-ci ici. Vu que Rotterdam c'est par là. Il vaut mieux. Ouais, il vaut mieux faire un comme ceci. Ce sera plus efficace. Configuration. Les niveaux 58 mètres, on a une trentaine. Et ici, on devrait traverser. Ouais, je vois. Bien, on va prendre des rails à 120. Pas de raison. On les met comme ceci. On va surtout commencer par ici. Ah, effectivement. Voilà. Effectivement, c'est pas vraiment la même altitude.
Et voilà, ça c'est connecté. On va en mettre un seul, je pense. Je ne sais pas en fait, on verra bien. On verra. Le temps nous le dira. Alors ici, je veux bien faire un petit tunnel. Si je peux ressortir plus loin. Voilà. Ici. Ceci. Ah. Auto, timer il est où? Ok. Voilà, si je peux l'aligner comme ceci, c'est bon. Ici, on va dégommer ça. Voilà. C'est un long trajet, mais ça file une grosse alimentation, donc je pense vraiment ne pas mettre plus. Je vais juste en mettre deux. On va mettre ça là. Qu'est-ce qu'il y a mon toutou? J'ai le toutou qui est là et qui a l'air un peu bizarre. Mais oui, t'es gentil. Alors, quand il me regarde comme ça, généralement, c'est qu'il veut, il veut sortir la pièce. Non? Il va être couché? Ah. Il va vouloir sortir. On va vite faire ça. Puis je vais le laisser. Donc ici, c'est du pétrole brut. On va l'appeler 2. C'est pétrole RAF 2. On va mettre les trains dessus. Alors on va prendre quoi? On va continuer à garder ça. Hein. C'est une bonne chose, je pense. 90. Le pétrole raffiné. Voilà, et je vais ouvrir au chien le temps que ça tourne. Ok, il voulait juste aller dans le hall. Bon. Du coup, il va être combien de temps ces trains-là? ?9 minutes, 14 minutes, ok. Oh,
hauteur d'Ambreda, etc., etc. On est en 31. Ce qu'il me faut maintenant, c'est la ligne qui va alimenter en carbu. Sur Amsterdam. Sachant que je vais probablement devoir en mettre d'autres que j'aimerais bien alimenter ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a besoin de carburant encore? Il y a Bruxelles, je crois. Oui. Donc, en plus de ça, il faudra... Il faudra une ligne, je crois, il faudra qu'elle se divise et puis elle rejoint ici. Ok, donc il me faudrait en fait un quai de plus. Un rail de plus. Voilà. Là, ce sera pour Amsterdam. Pas la doubler, mais on sait jamais. C'est une ligne entre deux villes là? Ouais, il faudrait que je change ça. Bien, alors il faut que j'aille sur Amsterdam, donc là je fais une boucle comme ceci. Je peux passer ici au milieu. Le plus dur, ce sera par ici, je crois que le mieux... Ah. En fait, je crois que le mieux, c'est que je passe par ici au-dessus. On va faire ça de cette façon. Donc on a les briques, ça c'est clair. Voilà, si je veux passer ici, il faut que je monte. Le mettre comme ceci. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On va mettre ça comme pont pour l'instant. C'est pas mal. En fait, je peux peut-être le faire autrement. Oui, comme ceci. Les piliers sont pas jolis jolis en fait. Je le mets comme ça, ça passe au-dessus de tout. Je suis pas fan. Si je fais en descente, ça passe. Non, pas comme ça. Ah, comme ça. Là. C'est bon. Voilà. C'est parce qu'il y a de plus harmonieux, mais ça passe. Voilà, c'est une pente douce. Et on arrive sur du plat. Parfait. Ouais, visuellement, c'est pas ouf. Ça passe, mais c'est pas ouf. Donc on va le faire passer par ici. Il
ça sent quand même le ligne double. Parce que vu la longueur du trajet... un peu descendre. Là, on passe ici. Voilà. Un peu de chance. Oui, parfait. Et donc là, je fais le tour par ici. Et je rejoins. Voilà. Et on va doubler. Parce qu'effectivement... Voilà, on se retrouve une fois que j'aurai fini la doublette. Voilà, c'est connecté. Donc on a... C'est un sacré trajet, hein. On va pas se le cacher. C'est une jolie trotte. On va mettre des signaux. Alors ça non. On va continuer à mettre des comme ça. Je tire bien sûr toujours mon chapeau au modeur pour faire des trucs aussi sympas. D'ailleurs, pratiquement tous les modes de cette map sont... Enfin, par rapport aux les trains. Les trains, signalétiques, néerlandaises, etc. C'est pratiquement tout par... je crois qu'ils sont deux. Je crois qu'il y a deux modeurs dans le tas. C'est Hopi et ben ça doit être l'hexigone, je pense aussi. Je leur tire mon chapeau. Alors, les briques d'Amsterdam. On ne prendra pas le carburant. Voilà, ici. Ça, c'est le carbu Amsterdam. Et maintenant, il me faut alimenter... alors... Je peux en donner là si je crois que c'est mieux. Carbu Amsterdam par camion. Gestion de la ligne, l'alt, on ne prend absolument pas ceci.
On va acheter des véhicules, marchandises. Le carbu. Et on va bien sûr mettre. Alors c'est sur un de ceux-là, donc ça va. Marchandises. On a toujours pas accès à plus gros, donc. On va mettre un gros truc comme ça. On va garder ça. Alors, Rotterdam a besoin de quoi? De briques aussi. De briques et de pain. Alors, la nourriture, ce qui est bien, c'est que la nourriture, elle est là. Ça, c'est bon. Mais on va pouvoir faire une ligne de briques jusque là-bas. Bon, j'aurais pu éviter de serpenter, là. Mais... Bon, bah, il y aura... On va pas en mourir. Alors on va la doubler à partir du moment où elle arrivera. Ah, où qu'il est. Ouais, on le double ici. Et il faut alimenter Rotterdam, et là, ça va être le boxon, parce que je vais devoir, du coup, tripatouiller, tout ce qu'on veut sur les lignes. Alors, ce qui est bien, c'est que ça tourne quand même assez fort. Donc ça, c'est cool. Qui veut dire aussi que Rotterdam, je vais bientôt devoir la reconstruire, je pense. Il va bientôt falloir penser à la refaire. Timer. Ça va. La gare de Rotterdam, on va la mettre en plein centre-ville. La ville va être défigurée. Est-ce que je commence à restructurer maintenant? Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment. Mais il faut que je réfléchisse à comment je passe jusque-là. Donc le TE viendra. Il peut rejoindre par ici sur la ligne. Non, il ne peut pas rejoindre par là. Si, il peut, je sais comment je vais faire. Tripatouiller. Alors je vais mettre en pause le temps. Faire des modifs. Tout ça va coûter cher. Surtout aux contribuables. Bon, sans rire, ça va me coûter la peau du cul. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je suis bourré de fric. Rotterdam, on va être une grande. On va mettre à 160 mètres direct.
vraiment y avoir de sacrés changements dans la ville. Je peux mettre ça comme ça, ça va pas être trop dérangeant. Je la mets là. Donc on a la gare de Rotterdam ici. Enfin, la nouvelle gare, pardon. Il faut donc maintenant la configurer en étant malin. Donc là on est d'accord, c'est pour l'omnibus. On a besoin d'un autre quai. Oula, 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 oula. C'est pas le moment de planter. J'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille que ça plante. Donc, omnibus passe là. Alors, admettons qu'il n'y ait pas que le TE, mais qu'il y a un autre train qui puisse venir jusque là. Ça, ce serait des marchandises. Non, ce serait le TE dans l'autre sens. Là, ce sont... Ah. Réfléchis, Eryx, réfléchis. Omnibus. TE ligne 1, quai. Pour dans l'autre sens. Plus là, et là, c'est les marchandises. Donc là, normalement, ça c'est bon. Ça c'est bon. Les quais. Voilà. Je vais quand même en rajouter un. Voilà. Bâtiment de marchandises. Ah, j'y vais au rouleau compresseur. Voilà. Donc, du coup, les rues ici. On peut prendre ça. Ou pas, on va faire plus simple. Et il me faut une deuxième sortie, bien sûr. Voilà, rue. Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Ici. On va mettre ça.
façon, tout ça va changer au fur et à mesure, hein, mais comme ça, j'ai déjà une base. Et ça veut dire que là, on va faire une modif ou deux. Les rails. Ça va être l'omnibus, on change juste le tracé pour cette fois-ci. On va changer bien sûr aussi la ligne de bus. Parce qu'il y en a deux qui arrivent ici. Ouais, bien ce qui me semblait. Voilà, voilà. Donc là, Rotterdam, on va le changer. Changer ceci. Voilà. Normalement, ça devrait aller. C'est pas à gauche que je veux rouler, nom d'un chien. Qu'est-ce que je fais, moi? Les bus, l'aéro Rotterdam. Qu'est-ce qu'il y a à l'aéro Rotterdam? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Ok, ça c'est fait, et donc on a Rotterdam-Breda. Le quai numéro 2, pourquoi tu pourrais pas y accéder? À cause des... Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remettre les lignes de bus, tout simplement.
enfin changer plutôt le bus, je pense. Ici, ça se fait parfaitement également. Bien. Voilà. Donc du coup, le bus de Rotterdam, on va vite le faire. Et puis on fera un petit tour en bus et ce sera bon. Oh, j'aurais pu mettre un arrêt comme ça, tiens. C'est pas grave, on va mettre un arrêt de bus ici. Ah oui, zut, je peux pas passer par là. Voilà. On fera plus de changements sur la ville lors d'un épisode sûrement. Comme c'est là, je voulais juste... déjà un peu préparé le terrain, si je puis dire. Voilà. Donc. Bus Rotterdam. Qu'est-ce qui va pas avec le bus Rotterdam? On va changer la ligne. Là, 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 là. Voilà. Et les trains, c'est pas dur. On doit juste leur faire perdre un trajet. Et on lance. Ici, tout le monde se barre. Je peux donc dégager... je peux dégager cette voie-là ou pas? Est-ce que je la retire? Ah bah oui, hein. Ça sert à rien. Mais qu'on se le dise, Rotterdam, j'en ai pas fini. Hein. Ça, la ville subira d'autres changements. À la limite, ce que je peux par contre déjà faire, c'est un petit peu décorer ça autrement. Alors déjà, on va ajouter ceci, ceci. On va mettre... ça, on va le dégager. On va peut-être en remettre finalement, mais je vais voir. Alors, on va mettre ça comme ça. On met ça là. Vous pouvez le voir, de toute façon, la ville va vite se réaugmenter. Ben oui, c'est un... donc ça, ça va, c'est pas trop mal. Par contre, je peux moderniser ceci. Passager, on va mettre des Schneider. Leur timer. Alors, on va aller jusqu'en 35. On va faire un trajet. Faire un trajet jusque Rotterdam quand même. On va prendre
prendre le train 14 pour ça. Ah bah attendez, ceux-là on peut les changer d'ailleurs. On peut moderniser. On va mettre... Non, on va pas... Si, on va mettre celle-là. Avec ça. On va y aller en accéléré par contre, hein, parce que... 60 à l'heure, c'est quand même un peu léger. Encore que... Bois. Voilà, alors, prochain épisode, prochaine étape, je vais peut-être continuer à améliorer Rotterdam. Je vais l'alimenter en briques, déjà. Je ferai la ligne pour alimenter en briques. Le carburant... Vu la distance par camion, ça me semble suffisant. La nourriture, c'est au-dessus, je peux l'alimenter aussi, mais je vais devoir améliorer ensuite les lignes de production. La production de la matière première. Et il va falloir que je fasse les biens de consommation et compagnie. Ça va devenir un réseau, mais bordélique. Me connaissant. Pour ce qui est du coup du... de la brique, je pense qu'il y aura une section où les trains de briques et de carburant d'Amsterdam seront sur la même ligne. Ça part dans la même direction, donc... c'est le plus logique. Et par après, je ne sais pas. Là, toujours est-il que je suis plutôt content du résultat. Pour l'instant, ça passe. Allez, on accélère quand même parce que 60 à l'heure, c'est vrai que c'est pas ouf. De toute façon, ces lignes-là, on les fera avec des trains plus rapides. Voilà, on envoie Rotterdam, on arrive dessus. J'aurais voulu faire une gare qui soit... différente de ce que j'ai fait là, mais c'est encore modifiable après. Hein. Voilà, l'arrivée en gare. Forcément. Bien. Il y a quand même un truc qui me chiffonne ici, c'est ça. Donc là, ça, on va le dégager. Seule raison en fait, c'est qu'on peut être beaucoup plus direct. Là on est bon. Voilà. On fait comme ça.
on se réunit là au bout. Et c'est très bien comme ça, voilà. Voilà, on va jusqu'en 1935, hein, on est en octobre, donc on profite. Vous voyez, ça a déjà repoussé, quoi. Ça a déjà repris. Mais il y aura des changements, clairement. Ça, je vais faire des... Je vais faire changer certaines choses. Et revoyons un peu... Marchandises... Carbu, il est ici. Il y en a un peu ici. C'est pas ouf. Comment ça se passe au niveau d'Amsterdam, par contre? On a passé le cap des 1000. L'express, il n'y a jamais personne dedans. C'est fou. Enfin, il n'y a pas grand monde, plutôt. Au niveau des BRICS, l'alimentation bof, le carbu ça va. Voilà, et là. Voilà! Donc, qu'est-ce qu'on a eu? 9. On regarde vite fait et puis on se quittera. Les Bolkopraitek. Oh la vache, ça fait trop longtemps que j'ai pu parler. Bolkopraitek, ouais. Donc, série de wagons était appelée ainsi à cause de leur apparence caractéristique arrondie. Je pense pas qu'on ait autre chose. On a toujours les Blockendozen ici. Je peux en faire des plus gros. Enfin, des plus gros. Des plus grands. Classe A4 qui sert à rien, électrique, etc. Non, on n'a rien de neuf à part ceci qui peut faire aller, qui peut aller à 140 quand même. Donc je vais peut-être pouvoir changer 2-3 choses avec les express notamment. Mais voilà, alors donc prochain épisode. La brique. Faire une ligne de brique jusque Rotterdam pour alimenter. Ça va dégommer d'ailleurs une partie de ce qu'il y a ici, de nouveau, hein, avec. Je vais les faire passer, quoique. Admettons que ça suive ici. Puis je sépare à partir de là. Bon, je verrai bien, mais ça dégommera de nouveau une partie de la ville. Et j'en profiterai, à mon avis, pour faire vraiment une grosse restructuration. On a largement les sous, on peut raser la ville. Et faire quelque chose avec. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!